Pour le Grand Slam, bonsoir à tous les amis et bon dimanche. Merci d'être avec nous comme tous les dimanches. Désormais, on se retrouve après Dev à 17h55 pour le Grand Slam. Une heure de jeu tous ensemble pour vous amuser et vous donner le sourire. Bonsoir le public. Bienvenue les amis. Tout le monde s'est fait beau, tout le monde est bien habillé, tout va bien. Je vous rappelle le principe du Grand Slam si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière. Chaque semaine, un super champion vient défendre son titre face à 4 challengers, 4 candidats qui ont marqué les émissions quotidiennes de Slam et qui seront bien décidés à le battre pour remporter les 10 000 euros de la finale. Alors le champion, c'est sa deuxième participation, il était avec nous dimanche dernier, voici Yarno. Comment ça va Yarno? Bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Moi pareil. Comme dimanche dernier. Yarno qui vient d'Eslette, oui. Seine-Maritime. C'est cela même. Alors, il y a un truc génial, c'est que vous nous avez expliqué dimanche dernier que vous cherchiez du travail. Dans quel domaine? Chargé de mission, chargé d'études environnement, tout ça. Et ce qui nous fait bien plaisir, c'est que comme vous cherchez du boulot, j'imagine que vous avez besoin d'argent, 6500 euros dans la cagnotte du champion, remporté la semaine dernière. Et selon le principe du Grand Slam, évidemment, vous êtes de retour aujourd'hui et vous allez pouvoir à nouveau gagner 10 000 euros aujourd'hui peut-être. Ouais, ouais. On vous le souhaite. Allez-y Arnaud, je vous laisse vous mettre derrière votre pupitre. Quatre candidats qui ont marqué l'émission par leur niveau, par leur bonne humeur, veulent affronter notre champion. Mais comme il n'y a que deux places à ses côtés, eh bien nous allons faire deux manches de sélection. Et ce sont les gagnants de ces sélections, c'est-à-dire les deux meilleurs, qui seront ses adversaires tout à l'heure pour le match. Alors voici donc les deux candidats qui vont s'affronter tout de suite pour cette première sélection, Michel et Marie-Claire. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Marie-Claire, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Michel, ça va aussi? Très bien. Michel de 7 dans l'Hérault qui avait joué avec nous en 2012. 3 victoires à l'époque, 1400 euros dans la cagnotte. Vous travaillez toujours pour l'éducation nationale. Et alors, on se souvient, vous chantez, hein, c'est ça? Oui, vous êtes tout ténor. À fait. Non, et à l'époque, je vous avais demandé plein de petits conseils, c'est ça, pour le placement de la voix. Faites-moi juste un petit son. La. Et regardez, déjà à l'époque, il savait le faire. La 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 la. Et c'est parti. Bizarrement, il y en a un qui le fait mieux que l'autre en fait, hein. Ça n'a pas changé ça non plus. Marie-Claire, comment ça va? Ça va bien. Saint-Léger, en Seine-Maritime, vous aviez joué avec nous, je me rappelle, en 2013. Une seule victoire. Mm-hmm. Vous êtes interne, oui. En médecine. Et à l'époque, vous aviez 21 ans. Oui. Vous étiez toute petite, mais déjà très cultivée, hein. On se souvient. Prête aujourd'hui, Marie-Claire? Prête. Bon, tous les deux, vous voulez affronter notre champion, Yarno, qui est là. Mais avant ça, la route est longue. Voici la première manche de sélection. Je vous rappelle les règles de Slam, pour vous aussi peut-être qui découvrez l'émission pour la première fois. Je pose des questions à mes candidats dont la réponse est toujours une lettre. Lorsque vous répondez correctement, la lettre se place dans la grille que voici. Pour vous aider évidemment à deviner les mots qui la composent. Vous marquerez autant de points qu'il y a de lettres dans le mot que vous devinerez. Et celui de vous deux qui remportera cette sélection rejoindra Yarno pour le match du Grand Slam tout à l'heure. Est-ce que tout est clair les amis? Oui. On y va? Le public aussi? Oui. Alors c'est parti, on vous encourage. Yarno, je vous rappelle que vous avez une tablette champion devant vous qui vous permet de jouer comme les téléspectateurs à la maison, c'est-à-dire en même temps que le candidat. Et lorsque vous auriez slamé, vous actionnez votre tablette, ça nous donnera l'info et on verra ainsi où vous en êtes par rapport au candidat, si vous êtes plus rapide qu'eux ou pas. Attention, voici la première question. Je vous rappelle qu'on cherche des lettres. Michel affronte Marie-Claire, bonne chance à tous les deux. Merci. On démarre avec du vocabulaire. Quelle lettre retrouve-t-on le même nombre de fois que le O en goguette? Marie-Claire. Le U. C'est le U, bien joué, on vérifie. Dans le mot goguette, regardez, le O y est une fois, le U aussi. Bien joué, on met deux U dans la grille. Je vais prendre le 6, s'il vous plaît. On joue pour 6 points parce qu'il a 6 lettres. Petit plaisir, cochon. On l'a pas. Essayez de retenir la définition. Le mot est argenté maintenant dans la grille puisqu'on a joué avec. Question de vocabulaire, quelle consonne, les amis, est la plus proche du début de l'alphabet chez un ménestrel?
Michel. Le L. C'est le L, c'est ça? Un ménestrel qui était le chanteur et musicien ambulant au Moyen Âge. Ils sont bien tombés sur un chanteur pour vous. On met un L dans la grille. Ça, c'est la castafiore, en fait. C'est la castafiore du dimanche. On joue avec le 1. On n'a pas le choix. On joue pour 7 points parce qu'il a 7 lettres. C'est le meilleur. On l'a pas non plus. Alors, comme vous avez gagné le L, ça veut dire que tous les L de la grille sont affichés. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a un seul. Question suivante, c'est de la musique. Quelle lettre termine le titre de ce tube de La Roche-Valmont en 84? Écoutez le tube. Michel. Le haut. T'as le look Coco. Bah oui, c'était facile, la réponse elle était là. T'as le look Coco, c'est ça le titre de La Roche-Valmont. Dans la grille on met 3 O. Le 1, le 3, le 4 ou le 5? La 3 s'il vous plaît. On y lâche les rênes. C'est dur. Yarno, champion, vous l'avez ce mot-là ou pas? J'ai les trois mots, je crois. Déjà? Je crois. Bon, on verra ça tout à l'heure. Le jeu continue. Question de vocabulaire. Quelle lettre se montre le même nombre de fois que l'on soit perfide ou déloyal? Allez, Michel. Le D. C'est le D, c'est ça? Une fois dans perfide ici, une fois dans déloyal aussi. Il est rapide, le coquinou. On met un D dans la grille. Le 3 qu'on a déjà tenté ou le 7 qu'on n'a pas encore vu? Le 7 rapporte un point de plus que le 3, parce qu'il est plus long. Le 7. Répétition lassante pour 8 points. On l'a pas. Marie-Claire, vous l'avez? Non. Allez, on vous encourage, tout le monde est à zéro. Question suivante. Question de culture générale. À la maison, vous jouez en même temps que nous. Quelle est l'initiale du mot qui rime avec morceau dans La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine? C'est un petit animal, quoi, qui fait comme ça. Voyez? Là, je suis très vexé, ça veut dire que je mime très mal le petit animal qu'il faut trouver. Hein. Michel. Le S. Non, c'est pas le S. Marie-Claire. Allez-y. Le V. Ouais, c'est le. J'en ai aucune idée. D'accord. Attendez, pourtant c'était super clair, c'est le vermisseau. Non. Très bien, là faites-moi plaisir, dites. Ah oui, vous avez bien reconnu, c'est pour ça que j'ai dit le V. C'est ça. Bon, l'important c'est de trouver la bonne lettre. Vous avez trouvé le V, c'est bon, même si vous n'aviez pas le vermisseau. Dans la grille, on met un seul V. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la criée famine chez sa fourmi, chez la fourmi, sa voisine. Parce qu'en réalité, la cigale ne mange pas de petits vers. Le 4 ou le 7? Le 7, on l'a déjà tenté. Le 4, s'il vous plaît. L'argent lui fond dans les mains. Orfèvre. Ah bah voilà, l'orfèvre. 7 points. Eh hey Marie-Claire, vous êtes super stressée. Détendez-vous. Eh, hey, tout va bien. On est tranquille, on est entre amis. Il n'y a personne qui nous regarde, enfin presque. Quelle lettre doit se mettre entre deux lettres identiques pour réussir un créneau? Marie-Claire. Un N. Attention, notre interne, elle est lancée, là. Allez, c'est parti. Le N, bien joué. Regardez, dans créneau, la lettre qui devait se mettre entre deux lettres identiques, il était entre deux E. Dans la grille, on glisse 3 N. Elle est à 7, Michel est à 0. 5, 1 ou 3? Le 3. On y lâche les rênes. Toundra. Dans la toundra. C'est la végétation du nord de l'Europe, la toundra dans laquelle évoluent les rênes. 14 à 0, Michel, il faut se rattraper maintenant sur cette question. C'est une image, regardez bien. Quelle lettre est entre deux lettres identiques dans le nom courant de cette fleur? Maintenant, vous pouvez répondre. Marie-Claire. Le G. Entre deux U. Entre deux U, puisque la fleur, c'était du muguet. Dans la grille, on met un G. On débloque le 8. Faire des heureux. Égayer. Ça marche. Allez, on encourage Michel, qui est à 0. Allez, Michel. Je vous rappelle qu'à n'importe quel moment dans la partie, vous pouvez slammer. Slammer, ça veut dire quoi? Ça veut dire appuyer sur le bouton rouge qui est devant vous. À ce moment-là, la partie est gelée. Vous devez compléter la grille en entier sans que je vous donne ou que je vous redonne les définitions. Et ça vous permet de marquer tous les points qui n'ont pas encore été remportés. Mais là,
C'est un peu tôt, sauf si Arnaud veut se la raconter un petit peu et qu'il a déjà envie de se lamer, le champion. Non, c'est un peu tôt. Question de vocabulaire. Par quelle lettre faut-il remplacer le L de cette unité de mesure pour voir un combat singulier? Joule. Marie-Claire. Le T. Elle est plus rapide. Hein. Michel, il a les réponses aussi, mais il buzz moins vite. Pour avoir un combat de... Joute. Joute, c'est ça. On met combien de T? Deux. Les joutes au Moyen-Âge, ça se déroulait à cheval. Après, il y a les joutes qu'on connaît où on tombe dans l'eau. Où est-ce qu'on va? Le 2, s'il vous plaît. Faites une fixation pour 7 points. Attache. Attache, c'est bon. Attention, Michel, elle s'envole. Hein. Il faut vraiment réagir, sinon elle risque de devenir intouchable avec une question supplémentaire. Michel, un peu de culture générale? Vous regardez beaucoup la télé? Un peu. Un petit peu. Vous êtes un rigolo? Oui. Oui, regardez la question qui arrive. Vous connaissez cette émission. Quelle est l'initiale du nom de celui qui présentait la classe sur FR3 de 87 à 94? Michel. Fabrice. Une lettre, une lettre, une lettre. Marie-Claire. F. Eh oui, il faut toujours répondre Merci. Par une lettre. Vous l'aviez ou pas? Non, pas non. du tout. Ah, le public, 1, 2, 3. Ah, vous avez copié aussi aux examens? Oh, je dirais rien. Non, vous, c'est pire que ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé un jour quand vous passiez un examen? Ouais, une fois, il y avait des réponses qui étaient écrites derrière. Derrière quoi? Derrière la feuille de questions. Normal, normal, très bien. Ils s'en sont rendus compte ou pas? Bah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Imbécile. Allez, on met deux F dans la grille. Et pour info, Yarno a slamé, mais... Vous vous êtes trompé, Yarno. Puisqu'il a la petite tablette et qu'il peut composer les mots un petit peu en avance. Donc vous avez slamé trop tôt. Vous n'avez pas trouvé tous les bons mots. C'est Marie-Claire qui joue avec la grille. On débloque le 1 ou le 5. Vous êtes à 27. Et selon le nombre de points que vous marquez maintenant, vous pouvez devenir intouchable. Prendre le 6 plutôt. Ah oui, il y a le 6 aussi. C'est vrai. On débloque le 6. Petit plaisir cochon pour 6 points. Truffe. C'est la truffe. C'est quand même dommage qu'une histoire de cochon tombe sur une jeune fille aussi mignonne. Question de vocabulaire. Quelle lettre figure autant de fois que le C dans une circonscription? Michel. Le N. Non, c'est pas le N. Marie-Claire. Le I. C'est le I. Il y en a combien? 3. Il y en a 3, c'est ça. 3 C, 3 I dans circonscription. C'est bon, on rajoute 3 I aussi dans la grille. C'est toujours Marie-Claire qui joue. Elle est à 33, elle est loin devant. Le 7, s'il vous plaît. On l'a déjà tenté, celui-là. Répétition lassante. Récidive. Récidive, c'est bon, plus 8 points. Est-ce que ça slame? Michel, pas de slam? Vous l'avez pas, le mot, là-haut? Non? Allez, slam pour Marie-Claire. Allez, Marie-Claire. On va dans la grille. 15 points à remporter, ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, vous êtes tranquille avec vos 41 points. Si vous réussissez, vous marquez les 15 points du slam, sinon c'est Michel à qui les marque. Le 1. Fleuron. Mais les carottes sont cuites. Fleuron. C'est le meilleur. Le fleuron de l'industrie, par exemple. Et le 5? Et le 5, je vais essayer fraction. Bah Michel, alors, il n'était pas si compliqué c'est que ça, une ce mot-là, fraction. Vous étiez ailleurs, vous aviez la tête ailleurs, Michel, aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez chanté, ça vous a donné un coup, là. Je sais pas pourquoi. Vous avez dit fraction dans la composition du 4 quarts. La fraction. Bien joué, Marie-Claire. Ça me réussit, ça fait 56 pour Marie-Claire, qui est donc la première qualifiée pour affronter Yarno, le champion. Bravo, Marie-Claire. Allez le rejoindre. Michel. Bon. C'était pas le jour. Non, c'était pas le jour. Vous étiez venu jouer en semaine avant. Le dimanche ne vous réussit pas, c'est le week-end en fait. C'est le dimanche, vous êtes tranquille. J'étais trop reposé. En tout cas, on a été ravis de vous retrouver. Faites-moi encore une petite vocalise avant de partir. J'aurais voulu aussi d'abord remercier les sélectionneurs. Non, non, d'abord vous allez faire la petite vocalise. Rosella, un grand merci. Et une vocalise, alors on va faire... La 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 la. À bientôt Michel, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour, je vous laisse rejoindre le public. Il manque encore un candidat pour le match du Grand Slam. Voici donc les deux candidats qui vont s'affronter pour cette deuxième sélection, Bernard et Jamila.
Bonsoir à tous les deux. Bernard de Fontaine-lès-Dijon, Côte d'Or, retraité. Faisiez quoi avant la retraite, Bernard ? Avant la retraite, je travaillais aux impôts. Ah, bonne nouvelle ! Maintenant, vous êtes retraité, donc c'est beaucoup. Oui, j'ai terminé par une profession qui a disparu. C'était quoi ? Conservateur des hypothèques. Il n'y en a plus. C'est fini. Le régime ancien a sauté. Ils ont fini après vous. Quand vous êtes parti, ils ont dit ça ne sert plus à rien de garder ce boulot. Voilà, Bernard est parti. Voilà, vous avez joué avec nous en 2011, 3 victoires à l'époque. Alors, grand fan de mots croisés et surtout spécialiste, ça nous avait fait rire, des noms de villes en 2 lettres. Parce que vous faites des concours, c'est ça ? Il y a trois villes qui se sont associées pour faire des concours de mots croisés. Enfin, ça part un petit peu en eau de boudin depuis quelques temps, mais bon, il y a Is en Côte d'Or. AI en Champagne et E en Normandie. Et E. Et E, vous les créez comment ? EU ? EU. D'accord. Et les habitants de E, ce sont les ? Je le savais, mais... Oh, la honte, Bernard ! On va chercher, on va vous dire. Bonjour, Jamila, on peut l'applaudir aussi. Qui est de retour. Notre Marseillaise des Bouches-du-Rhône, infirmière. Vous aviez joué avec nous en 2011. Une victoire. Vous étiez pétillante, souriante, un rayon de soleil. Je vois que vous n'avez pas changé. Merci. Je suis bien content de vous revoir, tous les deux. Moi aussi. Ce sont les Eudois et les Eudoises, Bernard, les habitants de E. Exactement. Je croyais que c'était plus compliqué. Et j'ai envie de vous dire, voici la deuxième manche de sélection. Et bravo à vous qui avez joué avec nous la semaine dernière à la maison et qui avez remporté les 2000 euros qu'on mettait en jeu. Félicitations. Et comme on vous aime, que fait-on en ce dimanche ? Eh bien, on remet à nouveau 2000 euros en jeu ce soir. Il faut répondre à la question qui est ici. Quelle consonne est doublée dans le prénom de la chanteuse nommée Paradis ? Est-ce que c'est 1, le T ou 2, le S ? Pour participer, vous envoyez votre réponse, c'est-à-dire le 1 ou le 2 par SMS au 7-10-20 ou vous appelez le 32-43. 2000 euros à gagner ce soir et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bernard de la Côte d'Or, Jamila des Bouches-du-Rhône, celui de vous deux qui remporte cette deuxième sélection, rejoint Yarno, le champion, et Marie-Claire pour le match du Grand Slam. Dans un instant, vous êtes prêts ? Prêts. Alors on y va, on vous encourage. Voici la grille à remplir, les règles ne changent pas. Je vous pose des questions et vous me répondez toujours par une lettre. Attention, jamais par un mot. On démarre avec du vocabulaire. À la maison, vous jouez avec nous, comme toujours. Quelle lettre se trouve en compote, juste entre deux voisines d'alphabet ? Bernard. Le M. Bien joué, le M qui est entre le O et le P dans compote, comme dans l'alphabet. Voilà, on met un M dans la grille. On a le choix entre le 3 et le 5. Vous venez de gagner le M, ce qui veut dire qu'il y a un M et pas de M de plus dans cette grille. Le 5. Blanchisseur à la campagne pour 6 points parce qu'il a 6 lettres. On essaie de retenir la définition, on verra ce mot un peu plus tard. Vocabulaire, quelle lettre figure le même nombre de fois que le I dans la méditation ? Jamila. Le T. C'est bien, il y en a... Deux ? Deux de chaque, c'est ça. Deux T, deux I. Dans la grille, on met 4 T. On voit que 4 T, ça vous a fait plaisir. Oui. Le 3, le 4, le 6 ou le 7 ? Je vais essayer le 4, s'il vous plaît. Il a un grand retentissement, on joue pour 7 points. Stentor. Oui, super. Une voix de Stentor qui est forte, qui est puissante. 7 points pour Jamila. Et une question en image, tout de suite. Regardez cette image. Quelle est la dernière lettre du nom du peintre du 19e siècle à qui l'on doit ce tableau ? Bernard. X. C'est Delacroix. Delacroix. Et le tableau, c'est La liberté guidant le peuple. Super. Mmh. Voilà. Tableau de 1830 exposé au musée du Louvre. Bien joué, Bernard. Un X dans la grille. On n'a pas le choix, on débloque le 7. On joue pour 8 points parce qu'il a 8 lettres. Mot à coucher dehors. Externa. Et il passe en tête, 8 à 7. Et on enchaîne avec du vocabulaire. Quelle lettre faut-il ajouter à ce verbe ? Le verbe détendre pour qu'il perde ses couleurs. Bernard. Le I. Et là, déteindre. On a déteindre. C'est bon, on met 3 I dans la grille. 5, 2, 3, 6. Je vous rappelle que plus les mots sont longs, plus vous marquez de points si vous les découvrez. Le 3. Appelé à faire fortune tôt ou tard. Matinée. Pourquoi matinée ? Bon, je sais pas, matinée au théâtre, je sais pas, comme ça.
Ouais. On ferait fortune en matinée au théâtre. Ouais, pourquoi pas, sûr. 8 à 7. Question de culture générale. Quelle est la première lettre, les amis, du titre du film de 1983 dont What a Feeling est la chanson phare? Première lettre du titre du film de 83 dont What a Feeling est la chanson phare. Jamila. Le F. Oui, c'est... Flashdance. Vous vous souvenez à peu près de ce que ça donne? Ne me demandez pas de danser, mais oui. Ah, justement, je voulais vous demander de chanter. Ah non, non, non. Bon, bah alors, écoutez. Bon, bah dansez alors. Hein. C'était quoi, Flashdance? Elle dansait dans tous les sens, ça faisait... Oui, elle Allez, interprété par Irène Cara, un F dans la grille. What a feeling! À cause de vous, je me suis ridiculisé. Le 5, on y va, Jamila. Blanchisseur à la campagne pour 6 points, on y retourne. On l'a déjà essayé ce mot-là. Allez, on les encourage, 8 à 7. Bernard face à Jamila. Qui va rejoindre Yarno et Marie-Claire pour le match du Grand Slam? Par quelle lettre faut-il remplacer un S de ce mot pour afficher une petite partie de notre squelette? Le mot, c'est tasse. Bernard. Le R. Super. Pour avoir... Le tarse. Le tarse, oui, c'est un ensemble de 7 os situés dans la partie arrière du pied. Le tarse. Dans la grille, on met 4 R. Il faut essayer de se détacher, Bernard, et de prendre de l'avance. Qu'est-ce qui vous tente? Bah, je vais reprendre le 5. Blanchisseur à la campagne. Frima. C'est bien, cette passion-là. Pourquoi Frima, Bernard? Bah, les frimas, ça apporte du gel, du givre. C'est un brouillard épais, c'est voilà. Voilà, froid qui dépose du givre. 14 à 7. Question de culture générale, quelle est l'initiale du nom du vainqueur toute catégorie de la Route du Rhum 2014? Jamila. Le P. Loïc Perron. Perron, bien joué, qui a remplacé Armel Lecléac sur son trimaran. Et il a battu le record de la traversée Saint-Malo-Pointe-à-Pitre en 7 jours, 15 heures et 8 minutes. Dans la grille, on met 2 P. On joue avec le 1 ou le 6? Le 6 rapporte plus. Le 6, s'il vous plaît. A pour habitude de piquer les enfants. Pédiatre. Plus 8 points, elle passe en tête. Jamila est à 15, Bernard est à 14. On enchaîne avec du vocabulaire. Outre le R, quelle consonne survient lors d'une frénésie et d'un paroxysme? Bernard. Le... Trop tard. Jamila. Le S. Bah oui. C'est le S, c'est ça. Alors le R, effectivement, il était dans ces deux mots. Donc, outre le R, c'était le S qui était à la fois dans frénésie et dans paroxysme. Vous en voulez combien des S? Plusieurs, ça me plairait bien. Ben j'en ai que... Oh zut. Je suis désolée, Jamila. Vous êtes tellement mignonne et souriante en plus. Le 8. Merci. Coupez l'herbe sous les pieds. Cercler. Cercler avec un S? Non, avec un S, c'est pas possible. Pardon. 15 à 14. Vocabulaire. Quelle consonne est immédiatement suivie de deux voyelles consécutives dans la télépathie? Jamila. Quelle consonne? Trop tard. Vous avez 2 secondes pour répondre à chaque fois. Sinon, c'est trop tard. Bernard. Le H. C'est le H qui est suivi. De IE. C'est ça, il y a IE après. Ça marche, c'était donc deux voyelles consécutives. On met un H dans la grille. Attention au slam après. Elle est bien remplie, cette grille. Le 1, c'est Bernard qui joue. Avoir une prise de bec pour 6 points. AP. AP, va bien. 20 à 15. Est-ce que ça slame pour l'un d'entre vous? Question d'orthographe, on enchaîne. Outre le U, quelle voyelle n'apparaît qu'une seule fois dans l'adjectif rocambolesque? Bernard. Le A. C'est ça, il y a un seul A dans rocambolesque et un seul U. Dans la grille, on met... 4 A. Attention au slam. Attention, vous avez un mot qui en termine un autre. Oui, je prends le 8. C'est celui-là. Coupez l'herbe sous les pieds. Sarcler. Sarcler, oui. C'est désherbé avec un outil. Sarcler. Et vous marquez les points de matinale aussi. Et slam pour Jamila. 34 à 15. Vous marquez les points de matinale à la verticale, Bernard, que vous avez donc dévoilé. Matinale, ici, c'était appelé à faire fortune tôt ou tard. Voilà, 34 à 15. 7 points restent à prendre dans la grille, ça ne sera pas suffisant. Mais c'est pour l'honneur. C'est pour l'honneur, on y va. Vous ne vouliez pas être Fanny, vous ne vouliez pas partir à zéro. Ah, je ne voulais pas être Fanny, ça c'est sûr.
Le mot numéro 2, on y va. Je proposerai raideur. Problème d'articulation. La raideur. Pour une infirmière. Le slam est réussi, 7 points de plus pour Jamila, 22 à 34. Bernard est donc le deuxième qualifié pour affronter Yarno, le champion. Bravo Bernard. Allez rejoindre Yarno et Marie-Claire. Jamila, vous n'êtes pas Fanny, ça c'est bien, Marseille est content. Clairement, et pour une infirmière, finir sur la raideur, je crois que c'est pas mal. C'était parfait, c'était fait pour vous en fait. Embrassez bien la bonne mère pour nous. Avec grand plaisir. Gros bisous Jamila, merci à très vite. Au revoir. Et voici donc le premier match du Grand Slam. Bernard et Marie-Claire affrontent Yarno, le champion. Oui ? Mais comment ça, il est où ? Je sais pas. J'ai pas de nouvelles. Non, mais il devrait être rentré, là. Il est pas arrivé ? Non, il est pas là, papa. Ah bon ? N'ayez pas peur. Magellan revient bientôt. Sur France 3, évidemment. Après la finale, venez jouer à Slam en ligne, désormais disponible sur votre mobile et votre tablette. Enchaînez les niveaux pour venir à bout de centaines de grilles. Emmenez avec vous votre jeu préféré en téléchargeant dès maintenant l'application Slam Mobile. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou par mail à casting@slamlejeu.com. Et le jeu continue pour vous à la maison. Je vous rappelle 2000 euros à remporter ce soir. Il faut envoyer Slam pour continuer à jouer avec nous au 7-10-20. On vous appelle le 32-43. Tout est expliqué. Alors attention, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Ce qui veut donc dire, Marie-Claire, que si Yarno et Bernard sont un chouïa gentleman, ils vont donc peut-être pas vous laisser gagner, mais vous laisser prendre des points presque gratuitement. J'espère. Ça vous dirait ? Ah bah j'espère. Yarno, vous êtes prêt à faire cet effort-là ? Je suis prêt. Est-ce que pour la journée de la femme, je peux faire un bisou particulier aux deux femmes de ma famille, donc ma maman et ma mamie, dont j'ai oublié la fête la semaine dernière sur le plateau. Pardon, mamie. C'est mamie comment ? Monique. C'est mamie Monique. Mamie, c'est marrant, vous êtes habillés pareil, Yarno et Bernard. Oui, on achète nos vestes ensemble. On a le père et le fils, oui, c'est ça. Visiblement, au niveau des chemises, c'est pas la même chose. On a pas fait le même magasin. N'oubliez pas, les amis à la maison, le Slam Magazine avec lequel vous pouvez vous entraîner à Slam. Évidemment, Slam Magazine spécial Grand Slam cette semaine. Voici la grille de 10 mots que vous allez devoir remplir tout de suite. Les règles ne changent pas, je vous pose des questions et vous me répondez toujours par une lettre. On y va. Premier match et première question. Quelle est la 10e consonne de l'alphabet ? Yarno. P. Non, oh la question vache. Bernard. J, mais c'est pas la 10e, c'est la 10e lettre, oui. Marie-Claire. M. Super, c'est bien. Eh oui, il fallait oublier les voyelles. C'est le M, effectivement, la 10e consonne. Dans la grille, on met 2 M. Pour la journée de la femme, c'est parfait, c'est Marie-Claire Fils. 5 ou 10, le 10 rapporte un point de plus, parce qu'il a une lettre de plus. Bon, bah le 10. On joue pour 9 points, c'est fatal. On l'a pas. Essayez de retenir la définition. Tous les trois, question suivante. Quelle lettre doit précéder le nombre 20 pour réunir un sommet économique mondial ? C'est pour Bernard. G. Vous avez buzzé trop tôt, Yarno. Le G du G20. Du G20, c'est ça. Le groupe des 20 qui est composé des plus grandes puissances économiques mondiales. On met 2 G dans la grille. Si vous buzzez avant la fin de l'énoncé de la question, le buzzer ne marche pas. 1, 7 ou 8 ? On va essayer 8. L'habitat froid. Igloo. Qu'est-ce que c'est que cette définition ? Question suivante. Quelle est l'initiale du prénom de l'écrivain nommé Kipling, auteur du Livre de la Jungle ? Yarno. Le R de Rudyard. J'ai dit qu'il n'avait pas buzzé au bon moment avant. Là, ça l'a énervé, là. Ça va, Yarno ? Tout va bien ? Je me chauffe. Bah, ça se voit. Là, je pense que vous êtes déjà bien chaud, camarade. C'est ça. Le R de Rudyard Kipling, on en met 3 dans la grille. Écrivain britannique né à Bombay en 1865. 1, 9 ou 10 ? Le numéro 1, s'il vous plaît. En jeu pour 6 points, il a un métier soporifique. Le berger. Parce qu'il compte les moutons. Exactement. 6 à 5.
Question de vocabulaire, quelle est la dernière lettre du nom de l'animal que l'on peut écrire avec toutes ces lettres? Mélangez-moi tout ça. Arnaud. Le L du chacal. Pas le marteau-piqueur hein, avec le buzzer, attention. C'est le chacal qu'on cherchait. 3 L dans la grille. Le 6, c'est celui qui rapporte le plus, tout en haut. On va le tenter. On va tenter le 6, oui. Pour 9 points, s'arrête sur les mots. La bouteille. Arnaud, il est champion, candidat, comédien, bien. Casseur de buzzer aussi. Question de vocabulaire. Allez, Marie-Claire, elle est à zéro, Marie-Claire. Quelle lettre s'intercale juste entre deux voisines d'alphabet lors d'une méprise? Arnaud. Le... Trop tard. Bernard. Le I. C'est le I, c'est ça. Entre le R et le S, il est là, le I, entre deux voisines d'alphabet. Donc, dans la grille, on met deux I. Le 3, le 4 ou le 6? Le 6. S'arrête sur les mots. Bafouille. C'est bien, Bernard passe en tête. Il est à 14. Les frères chemises se disputent. Question de vocabulaire. Quelle lettre manque deux fois à ce verbe bien utile quand on prépare une tarte aux pommes? Regardez l'indice. Arnaud. P. Épépiné. Épépiné, c'est ça. C'est enlever les pépins d'un fruit. À deux P dans la grille. La prochaine fois que vous faites le marteau-piqueur, c'est Pampon-Cucu, Arnaud. Et je vous dis pas par qui. C'est le 3 qui rapporte le plus. Le 7, s'il vous plaît. Train rapide. Galop. 11 pour Arnaud, 14 pour Bernard. Allez, Marie-Claire. Allez, elle est à zéro. Quelle lettre est inscrite une fois de moins que le I dans une indication, Arnaud? Le N. C'est bien, il y a 3 I dans l'indication et le N, il était une fois de moins, il n'y en avait que 2. Dans la grille, on met 2 N. Le 5 ou le 10? Le 5, 10 est argenté parce qu'on a déjà joué avec. On y assure l'intendance. L'économie. Ah bah non! Nanané! Question d'orthographe. Quelle voyelle est répétée dans un bâtiment haussmannien? Arnaud. Le S. Ah, non. Marie-Claire. Le A. C'est le A, c'est bien, il y a deux A dans haussmannien. Les immeubles haussmanniens qui datent du règne de Napoléon III, c'est-à-dire la fin du 19e siècle. Dans la grille, on met 3 A. 4, 5 ou 2? Le 5, s'il vous plaît. Il faut prendre des points, hein, Marie-Claire. Ouais. On y assure l'intendance. Economa. L'Economa. Ouais. C'est l'administration qui gère les recettes et les dépenses dans un lycée, dans un hôpital, une structure publique. 14, 11 et 8 pour Marie-Claire, culture générale. Quelle est l'initiale du nom du poète français, auteur de La Complainte du Petit Cheval Blanc? Arnaud. Le R? Non. Ah non, il est sorti. L'initiale du nom du poète français, auteur de La Complainte du Petit Cheval Blanc, c'est pour Bernard. Le F? Oui, c'est Paul Fort. C'est Paul Fort, exactement, et qui est aussi l'auteur du poème Le Bonheur. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Dans la grille, un F pour Bernard. Bernard de Fontaine-lès-Dijon, Côte d'Or. On débloque le 10. C'est fatal. Forcément. 9 points de plus. Bernard est en tête, il est à 23. Culture générale, quelle lettre manque deux fois à cette commune française qui a donné son nom à un homme préhistorique? Regardez l'indice. Arnaud. T, Totavel. C'est Totavel, oui. Vous savez où c'est? En France. Oui. C'est au fond, à gauche. Pyrénées-Orientales. On met 3 T dans la grille. On avait découvert en 1971 le crâne d'un homme daté d'environ 450 000 ans. Le numéro 3, s'il vous plaît. Autant vous dire qu'il était en forme. Le 3, il poursuit des chimères. Utopiste. Utopiste. Est-ce que ça slam par hasard? Slam. Slam pour Marie-Claire. Ah là 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 là. Arnaud. Vous auriez slamé, Arnaud? Oui. Oui. Dans la grille, 17 points à prendre, le nombre de points qui n'avaient pas encore été remportés. Si vous le réussissez, vous chassez notre champion et vous rejoignez Bernard pour la suite du match. Le 2. Clap. Signal pour tourner. Le clap. Le 4. L'égalité.
L'égalité, ça rentre. Alors, Yarno fait... Je pensais pas à ça. Vous pensez à quoi? Je pensais à localité. Alors, on va voir si c'est possible. Vous avez dit l'égalité, Marie-Claire. Est-ce que le E est déjà sorti? C'est-à-dire, est-ce qu'on a gagné le E en répondant aux questions? Non, je vous confirme, il n'est pas sorti. Est-ce que le G est déjà sorti? Est-ce que vous avez le souvenir de l'avoir gagné? Je ne sais plus. Il me semble qu'on avait parlé du G20. Ah oui. C'est-à-dire que le G était déjà sorti, tous les G étaient affichés dans la grille, ça peut pas être l'égalité. On applaudit quand même Marie-Claire. Le slam est perdu, c'est donc Yarno qui va en deuxième manche avec Bernard. Dans un instant, on va regarder, on va terminer le slam, Marie-Claire. J'aurais bien aimé. Si c'est pas ce que vous avez dit, si ça n'est pas l'égalité, on détache le mot numéro 4 et je vous donne comme définition lieu commun. Une localité. Une localité. Et pour le mot numéro 9. J'aurais dit repos, mais... Eh ben, c'était repos. Il est en pause. Marie-Claire, c'est pas grave. Bon, on a été contents de vous revoir. On peut vous applaudir encore. Je vous souhaite un bon retour à Saint-Léger-du-Bourg. Saint-Léger-du-Bourg-Denis. C'est en Seine-Maritime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voici donc le deuxième match du Grand Slam qui oppose Yarno à Bernard. Qui va gagner d'après vous? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Grand Slam ou sur Facebook Slam, l'émission officielle. On vous attend pour commenter le match en direct. Bon, Yarno, c'est le champion en titre. Je vous rappelle, il a déjà 6500 en poche. 6500 euros. Et il a eu chaud, je peux vous dire, hein, juste avant. Bernard représente la Côte d'Or, il va affronter Yarno. Quant à vous, les amis à la maison, n'oubliez pas que ce soir, vous pouvez gagner 2000 euros. Continuez de jouer avec nous en envoyant Slam par SMS au 7-10-20 ou en appelant le 32-43 par téléphone. Voici la grille à remplir. C'est une grille de 12 mots cette fois-ci. Au bout de cette grille, il y a une finale. Et n'oubliez pas qu'en finale, le dimanche, il y a 10 000 euros à remporter. Bonne chance Yarno, bonne chance Bernard. C'est du vocabulaire pour démarrer. On cherche une lettre, n'oubliez pas. Quelle consonne ne touche aucune voyelle lors d'une métamorphose? Yarno. Le P. Bien joué, il est entre le R et le H. Ici, il ne touche donc aucune voyelle. Un P dans la grille. Le numéro 5, s'il vous plaît. Réaliser une croûte. Pané. Super. Waouh. Des fulgurances comme ça des fois. Ah bah, mais vous avez des fulgurances tous les jours, hein, donc c'est normal. Question d'orthographe, quelle lettre agit autant de fois que le E ou le I avec libéralité? Yarno. Le L. C'est bien, dans libéralité, on vérifie, il y a deux E, deux I et effectivement deux L. Dans la grille, on en met deux aussi. Le numéro 6, s'il vous plaît. Tomber du ciel pour 6 points. Torgal. Il y a un H. Ça va pas bien. Oh bah après qu'est-ce la bouteille que c'est de Torgal tout à l'heure. Oui, c'est pour ça en fait. Hein. Regardez, là il se la raconte un peu, mais il a ramené moins tout à l'heure hein, quand elle a slamé notre petite camarade. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom de l'interprète du maréchal von Apfelstrudel dans Papy fait de la résistance? Yarno. Le V de Jacques Villeray. C'est Jacques Villeray, c'est ça. On met un V dans la grille. Le numéro 11, s'il vous plaît. Qui fête les papilles. Savoureux. Bien joué, vous marquez 9 points parce que c'est un mot de 9 lettres. 14-0. Question d'orthographe, on cherche une consonne cette fois-ci. Quelle consonne ne touche que des consonnes en période d'abstinence? Yarno. Le S. Il y a une raison pour laquelle vous trouvez abstinence ou... Oui. D'accord. Ok. Le S, il trouvait, il touchait le B et le T. Deux S dans la grille, il ne touchait donc que des consonnes. Si vous voulez passer un message, vous pouvez y aller. Hein, c'est la journée de la femme, Yarno. Donc si vous voulez en trouver une, on peut faire peut-être un truc pour vous. 1, 3, 6 ou 9. Le 6, s'il vous plaît. Tomber du ciel. Le Grésil. Ouais. Ça marche. Alors, 20-0. Bernard, il faut juste être un peu plus rapide pour répondre aux questions. C'est difficile. Hein. Question de vocabulaire, oui, parce qu'il va vite. Hein. Quelle consonne se trouve à la fois dans les rayonnages et en tête de gondole? Yarno. Le G. Le G, il est dans rayonnage et on le retrouve à côté, en tête du mot gondole. C'est bon, un G dans la grille.
Le numéro 9, s'il vous plaît. On joue pour 7 points. Ressuscite les morts de fatigue. Le ginseng. Le ginseng, c'est donc le tonifiant que Yarno prend à longueur de journée pour être aussi remonté. On va en donner un tout petit peu à Bernard. Rapidement, si c'est possible. C'est pas perdu, Bernard. Hein. 27-0, il y a encore beaucoup de questions. Et il y a encore le slam, évidemment, qui peut retourner la situation. Question de culture générale, quelle est l'initiale du nom du fleuve qui court en Espagne et se jette dans l'Atlantique à Lisbonne? Yarno. Le D? Non. Profitez-en, Bernard, Yarno est bloqué. Vous êtes le seul à pouvoir répondre. On cherche l'initiale du nom du fleuve qui court en Espagne et qui se jette dans l'Atlantique à Lisbonne. Le Non. Yarno. Le T. Oui. Le c'est Tage. Le, c'est ah oui, le Tage. Ah oui. Exactement. Ah oui. Il est cultivé, hein. En plus j'ai confondu rapide. Avec le Douro, mais je crois que. Le Douro, il se jette où? Bah, il passe aussi au Portugal, mais il se jette dans l'Atlantique, mais je ne suis pas sûr que ce soit à Lisbonne. Spécialiste des fleuves hispaniques, en plus. Voilà. 5 T dans la grille. Il les a tous remontés en canoë, c'est pour ça. Il y a du monde. Quel mot voulez-vous jouer? Le 7, s'il vous plaît. Zen, soyons zen. Bah, c'est un mot pour moi, relaxant. Bah. 35 pour Yarno. Qui est loin devant. Allez, Bernard, merci. De Fontaine-lès-Dijon, qui est retraité, qui était inspecteur des impôts. Il est dans le vide et on ne le retrouve même pas dans la vacuité. Le D. Parce que le D est dans vide. Et dans vide et pas dans vacuité. Et pas dans vacuité, alors que les autres lettres de vide, on les retrouvait à côté. Attention, on met 3 D dans la grille. Le numéro 8, s'il vous plaît. Je rappelle que plus les mots sont longs, plus vous marquez de points. Tournez les pages d'un livre. Adapter. Bah oui. Super. Adapter un livre pour un tournage de film. 42-0. C'est un peu tôt pour slammer, Bernard. Bah oui. On continue avec de la culture générale. Quelle lettre figure deux fois dans le nom de l'auteur de la saga Fortune de France? Yarno. Le R. Non. Là, il faut essayer de céder des lettres qui ne sont pas sorties. Bernard. Le E. Oui, c'est. J'en sais rien. Au hasard. Mais c'est le E, vous l'avez trouvé, donc ça tombe bien. C'est Robert Merle. D'accord. Et c'est une œuvre en 13 tomes. Fortune de France. 5 E dans la grille. Allez, ça va nous aider à marquer des points. On ne va pas tarder à se lamer. À mon avis, vous avez un mot qui en complète un autre. Un mot Bernard. Oui, je vais prendre le 12. C'est celui-là. Elle refait une bonne impression. Réédition. Très bien. Et vous marquez les points de étudie aussi à la verticale. Ici, la définition, c'était pèse le pour et le contre. Étudie, une situation par exemple. 42-15 et slam pour Bernard. 24 points à prendre dans la grille. C'est le nombre de points qui n'avaient pas encore été remportés. Bernard, je vous suis. Bah pour le 3, je dirais disco. Il a les boules à facettes. C'est chic. Pour le 10, je dirais acter. Prendre en compte. Acter. Pour le 2, navrer. Infliger une peine. Navrer. Et pour le 1, registre. Carnet de notes. Bravo Bernard, le slam est réussi, c'était registre. 39 points pour Bernard, 42 pour Yarno, notre champion. Yarno est donc qualifié pour la finale et il va tenter les 10 000 euros dans un instant. Bravo Yarno. Bernard, c'était dur. Hein. Bah, c'est la question de la vitesse, hein. Sans ça, ça irait bien. Vous aviez toutes les réponses en plus. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bernard, on vous embrasse bien fort. Merci à Marie-Claude, votre épouse, qui vous avait accompagné. Oui. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. Tout simplement. Le dimanche, on est ouvert maintenant, les amis. Cadeau pour Bernard. Partez pour un long week-end à la ferme de la Rancenière. En plein cœur de la Normandie, à 3 km de la mer, profitez de ce manoir et de son environnement verdoyant et paisible.
La finale, c'est dans un instant, mais d'abord le jeu pour vous à la maison. 2000 euros à gagner ce soir, je vous le rappelle. Quelle consonne est doublée dans le prénom de la chanteuse nommée Paradis? Est-ce que c'est 1, le T, ou 2, le S? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone pour tenter de remporter les 2000 euros. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Yarno, c'est la deuxième finale dans un instant pour vous, la deuxième finale du Grand Slam. En cette journée de la femme, vous n'avez pas été très galant. Bah, Marie-Claire s'est malheureusement trompée sur la légalité, donc... Donc vous l'avez pris. Enfin, cela dit, journée de la femme, non, on a un homme en finale, mais un homme avec une queue de cheval, donc ça va, ça passe. Ça passe. Et, la finale... Et une barbe, ça fera Conchita Wurst. Oui, voilà, c'est l'Eurovision. Pour l'Eurovision l'an dernier, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il va gagner dans un instant. A tout de suite pour la finale et... C'est le grand moment, c'est la finale du Grand Slam avec Yarno qui a déjà 6500 euros en poche, peut-être 10 000 euros de plus tout de suite. Yarno, la finale, c'est ici que ça se passe. On y va. En piste, champion. Dans votre dos, Yarno, non pas une grille, mais deux grilles de 7 mots apparaissent. Chaque grille a son propre thème. Je vous rappelle que vous allez avoir 100 secondes pour remplir les deux grilles, vous remportez 500 euros par mot découvert, 4000 euros si vous remplissez une grille et 10 000 euros si vous remplissez les deux grilles. Voici les thèmes de ces deux grilles. À la maison, vous les voyez, Yarno, lui, ne les voit pas. Il ne voit pas non plus les grilles. 10 chiffres magiques à votre disposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en prend 7. Derrière chaque chiffre se cache une lettre qui viendra apparaître simultanément dans les deux grilles. Le 10, s'il vous plaît. 4i. Le 7. 4T. Le 6. 4C. Le 5. 1H. Le 3. 3U. Le 8. 3D. Et le dernier. Et le 9. Et derrière le 9, 2G. Ça y est, tout le monde est installé. Maintenant, les thèmes. Je crois voir que vous faites du théâtre, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Il y a une troupe en particulier? J'en ai fait dernièrement au sein du comité de quartier Saint-André, à Mont-Saint-Aignan. Et la dernière pièce que vous avez jouée, c'était? Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribe. Héros du théâtre français. C'est le thème d'une des deux grilles. La deuxième. Si jamais vous vous sentez mal, et que vous veniez à défaillir, parce que vous avez pris trop de ginseng... Dans la bouteille. Vous aurez peut-être besoin d'une trousse de secours. C'est le thème de la deuxième grille. À vous de choisir avec quelle grille vous voulez jouer en premier. Je vais commencer par les personnages de théâtre. Héros du théâtre français. Oui. On va donc jouer avec cette grille en premier. Je vous rappelle que vous avez 100 secondes pour remplir les deux grilles. À vous, Yarno, de gérer le chronomètre comme vous l'entendez. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué sur la première grille et que vous ne pensez plus pouvoir trouver de mots supplémentaires, vous dites stop chrono et on passera à la suivante. Mais attention, on ne pourra pas revenir en arrière. Est-ce que vous êtes prêts? On commence donc avec les héros du théâtre français. Top chrono, 100 secondes, 10 000 euros en jeu, champion. En 1, Cyrano. Cyrano de Bergerac, 500 euros. En 5, Tartuffe. En 6, Rodrigue. 1 000 euros. En 7, Hernani. 1 500 euros. En 2, Ubu. 2 000 euros. En 3, Figaro. Ubu, 2 500. En 3, 4, Figaro. En 4, Scapin. 3 000 euros. Et 4 000 euros. Top chrono. €4 000 pour l'instant. Écoutez, rapide, efficace, il vous reste 85 secondes, c'est énorme. Est-ce que la trousse de secours, ça vous inspire un petit peu? Pas du tout. Je vous rappelle que si vous remplissez en entier la deuxième grille, c'est 10 000 euros qui viendront s'ajouter à votre cagnotte. Attention, trousse de secours, top chrono, 85 secondes, le chronomètre part. Un sparadrap. 4 500 euros. 7 pansements. 5 000 euros. Il reste 70 5 alcools. 5 500 euros. 60 secondes. 4 compresses. 2 pommades. 6 000 euros. 6 500 euros. 6 des gants. Tout simplement. Ah bah oui. 7 000 euros si vous avez le mot numéro résines. 3. 10 000 euros. Non. Ginseng, ça rentre pas. Non. Il reste 40 secondes, Yarno. Si vous trouvez le mot numéro 3, vous gagnez 10 000 euros. Trousse de secours.
30 secondes. Trousse de secours. Ce qu'on peut trouver dans une trousse de secours. Comme je suis jamais malade. 10 secondes. Non, là, je vois vraiment pas. Vas-y, bon. 7000 euros pour Yarno. Super. Alors, dans la trousse de secours, en fait, on n'emploie pas vraiment ce mot-là parce qu'on connaît sa marque qui se termine par Chrome Chrome. Vous savez ce qu'on met sur les écorchures qui est rouge et qui fait des taches? C'est ce qu'on appelle l'éosine. Ah oui. Vous connaissez le chrome. Maintenant, vous l'avez trouvé. Ça, c'était donc la grille trousse de secours. Et on revoit très vite la grille héros du théâtre français que vous avez réussi à remplir en un temps record. Il y avait Cyrano en 1, Ubu roi d'Alfred Jarry, le héros de Beaumarchais Figaro en 3, en 4, les fourberies d'Escapin, en 5, Tartuffe de Molière, en 6, Rodrigue du Cid de Corneille, et en 7, Hernani, le héros d'une pièce de Victor Hugo. Tout ça nous fait un cumul de 13 500 euros pour Yarno. Et on se retrouve dimanche prochain pour tenter de faire grimper ses gains. À dimanche pour le Grand Slam avec Yarno et à demain 17h30 pour le Slam évidemment. Soyez heureux les amis, tout de suite le 19 20. À demain.